Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on organise un colloque sciences économiques dans l'école. Ça nous permet de travailler sur des thématiques qui sont d'actualité, qui sont liées à la société. L'intelligence artificielle, on ne peut pas dans une école où il y a des sections informatiques, économiques, pharmaceutiques et autres, ignorer ce sujet-là. Et c'est pour ça que nous avons choisi ce thème-là. Je vais vous donner tous vos cours sauf celui de gym. Nous allons procéder de cette manière. D'après mes informations, vous aviez une préparation à faire pour aujourd'hui. Veuillez me les envoyer de suite. Mais madame, moi j'ai un problème. Mon grand-père hier a été hospitalisé d'urgence à l'hôpital et j'ai pas su faire mon devoir. Je n'accepte aucune excuse. Je suis pas d'accord. Tous avez autant de pouvoir. Vous n'êtes même pas notre prof. De toute façon, vous n'êtes qu'un simple programme à la noix. Le pauvre, son grand-père vient de rentrer à l'hôpital. Si ça se trouve, il va mourir. Si vous avez été un minimum humaine ou vivante, vous aurez pu comprendre d'avoir de la compassion. Mais non, à la place de ça, madame n'est qu'une machine froide et tyrannique. Quoi ? Non, ça va pas, mais c'est la torture à ce niveau-là. Je t'ordonne de te calmer et de poursuivre le cours. Bon, on prend le sort, les gars, c'est bon. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment très vite évoluer, qui pourra bientôt nous donner des cours. Ou nous aider dans plusieurs fonctions comme le travail, mécanisation de certaines entreprises ou des choses comme ça. L'aide aux personnes un peu plus âgées, par exemple dans le monde, un peu partout, il y a des intelligences artificielles qui les aident dans la vie de tous les jours. Donc voilà. D'habitude, c'est un exposé, je vais dire, classique avec un PowerPoint. Ici, non, ils voulaient absolument faire du court-métrage, de la vidéo, avec de la fiction, créer leur propre scénario. On a des avantages et des inconvénients. Et dans les inconvénients, on a peur que... Comme l'intelligence artificielle va prendre plus de connaissances, elle va dépasser l'être humain, faire à sa manière et changer complètement le déroulement du système de vie. Oui, patron. Ah, il y a une opération en cours. Ça va, mais je m'occupe de ça tout de suite. Et au revoir. Oui, mais si l'opération à distance est piratée... C'est pas ça qu'il faut faire. Et voilà, nickel. Mais non ! Non ! Reviens ! On fait participer presque toute l'école à ce colloque et je trouve ça super intéressant. Je sais pas si vous connaissez, vous avez compris la chaîne de la CSM1 qui malheureusement... Le 1er janvier 2016.